L'heure manquante. J'aimerais que vous pensiez à une heure de 1 à 12, à votre heure favorite, par exemple. Prenez autant de cartes sur le jeu que l'heure à laquelle vous avez pensé. Si vous avez pensé à 5, prenez-en 5. Si vous avez pensé à 7, prenez-en 7, d'accord? Gardez-les cachées dans votre poche, par exemple. Je me retourne pour ne pas voir les cartes que vous avez prises. On va utiliser 12 cartes qui correspondent à 12 heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va ensuite former un cadran horaire. Ça, c'est pour une heure, pour 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, ici 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, et ici 12 heures. Vous voyez, ceci c'est la ligne de démarcation. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures et 12 heures. Je vais me retourner et pendant ce temps, vous allez compter jusqu'à l'heure que vous avez choisie. Et vous vous souviendrez de la carte à son emplacement. Ça y est ? Ok, j'ai fait ça. Maintenant, rassemblez les cartes face en l'air, n'importe comment, afin de les mélanger. Mélangez-les bien. On va d'abord vérifier leur nombre. Hein. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et douze pour 12 heures. D'accord ? Vous allez maintenant reproduire le cadran horaire. 1, 2, 3. Mais en laissant un espace correspondant à l'emplacement de l'heure que vous avez choisi. Supposons que vous ayez choisi 3. Vous laissez un espace à 3. Comprenez ? 1, 2, 3, 4, un espace, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On n'a pas d'indicateur, alors on va utiliser l'étui comme indicateur de l'heure manquante. Vous avez mélangé les cartes, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez votre carte? Vous la voyez? Elle devrait être là. Non, non, il n'y est pas. Où se trouve-t-elle? 1, 2, 3, 4, 5. Regardez le nombre de cartes. Il n'y en a plus que 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cartes seulement. Votre heure manque. Vous voyez bien qu'elle n'y est plus. La carte à laquelle vous avez pensé a disparu. Pourquoi est-ce que vous ne regardez pas dans l'étui? Utilisez l'autre main pour l'ouvrir. Quel était le nom de la carte à laquelle vous pensiez? Ouvrez. C'est bien l'heure qui correspond à la carte à laquelle vous pensiez? L'heure manquante. Explication. Cette très belle routine montre bien l'ingéniosité d'Edouard Marlowe. Un principe mathématique, il allie un forçage suivi d'une disparition de la carte pensée qui se retrouve en finale dans l'étui. C'est un petit chef-d'œuvre de construction qui a mystifié autant les profanes que les magiciens.